Bien le bonjour. Tu es bien installé à côté de moi? Bon, tu laisses une petite place pour Cassie quand même. Allez, on ne va pas très loin aujourd'hui. Donc, tu as le temps de regarder le paysage d'une façon plutôt rapide. Mais en tout cas, on est où? Comme d'habitude, sur la 125. Alors, où va-t-on aujourd'hui? Là, actuellement, je fais des sauts de puce. Alors, nous partons de Albufeira, où l'aire de camping-car était pratique, certes, pas très agréable, c'est pas grave. Et là, on fonce à Tavira. Alors, j'ai envie de m'arrêter à Tavira, parce qu'on m'en a parlé. Bon, déjà, c'est une petite ville qui est très sympathique, mais surtout, l'aire de camping-car, d'après ce qu'on m'a dit, est très sympathique. Et en plus, à vélo, il y a la plage qui est juste à côté. Donc ça me fait hyper envie de la plage. Donc j'ai trouvé une place juste à côté d'un arbre. Comme ça, Cassie pourra faire ses griffes, pourra s'amuser comme elle veut. Et ça fera un peu d'ombre, un petit peu d'ombre dans l'après-midi. Enfin, c'est ce que je pensais, moi. Seulement, Mademoiselle Cassie, elle fait comme elle a envie. Et Mademoiselle en a décidé autrement. Ça va, Cassie, t'es heureuse, là? Je pourrais faire voir comment tu fais des griffes. Voilà. Voilà. Fais bien voir. Merci à toi, Cassie. T'es la meilleure pour nous faire voir. Bravo. Cassie a trouvé son bonheur. Donc maintenant, je change de véhicule. Je t'embarque avec moi à vélo. Ah oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une grande envie de découvrir la nature environnante. Ça, c'est la sortie de l'aire de camping-car, tu t'en doutes. Oh, je te présenterai une autre fois l'aire de camping-car. Parce que vraiment, elle est sympa, donc je te la présenterai tranquillement. Mais là, dans un premier temps, j'ai envie de quoi? Oui. On démarre. S'ils pouvaient arrêter de mettre des pavés comme ça de partout, un vélo, c'est pas super intéressant. Heureusement, là, il y a de la route. Allez, let's go. Là, c'est la première fois que je prends le vélo et que je pars à la découverte des alentours de l'aire de camping-car. Donc là, tu découvres avec moi. Toi déjà, c'est une petite route sympathique. Là, il faut savoir que cette route-là, c'est une impasse. Elle se finit à l'aire de camping-car. Donc, on est vraiment tranquille. Et là, on a la route qui attaque. Alors, à gauche, c'est l'usine qui s'occupe du sel. Parce que là, on est en plein milieu des marais salants. On démarre les marais salants. Pas très joli à gauche, mais c'est normal. Pendant qu'on y est, allez, je te fais un peu de pub. Donc, tu sais que j'écris, que je crée, donc le journal de voyage qui est décliné en deux versions et avec plein de couvertures différentes. Tu veux te faire plaisir, voyager de l'intérieur ou par des kilomètres, tu vas dans le descriptif, là, il y a le lien pour te le procurer si tu en as envie. J'ai fait plein de couvertures pour que tu puisses te faire plaisir et offrir éventuellement à quelqu'un. Oh là là, ça y est, c'est reparti pour les routes en espèce de pavé. C'est pas super agréable, mais au moins c'est une route tranquille. Mais alors, qu'est-ce que c'est joli! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Donc là, on est vraiment en plein milieu des marais salants.
Et là, c'est le plat pays. On est vraiment au niveau de la mer. Et là, je me fais vraiment plaisir à découvrir cet endroit. Ça y est, j'ai posé le vélo au bord de l'eau. Je découvre le nouveau paysage. Donc là, en face, on a les îles que tu as vues sur la carte. Donc ça protège des vagues directes de l'océan. Il y a un port, il y a un petit port de plaisance. Alors par contre, il y a un ferry, j'ai appris, qui fait les va-et-vient pour aller sur l'île. Alors moi, c'est pas un truc qui me tente trop parce que je suis pas très vague, je suis pas très océan. Donc c'est vrai que je préfère vraiment cet endroit qui est à l'abri justement des gros mouvements de vagues. Et je vois que je suis pas la seule à aimer cet endroit. Enfin ça va, on n'est pas nombreux non plus, hein. Thank you.
Allez, cette fois-ci, je me lance. Oh, bonjour le crabe. Toi aussi, tu te baignes? Est-ce que tu me permets de me baigner moi aussi? Oh, mais n'aie pas trop peur, va. J'ai pas envie de te faire du mal, t'inquiète pas, hein. J'ai envie simplement de partager l'océan avec toi. Un autre. Oh, bah dis donc, t'es courageux, toi. T'as vu la taille que je fais? Et tu viens quand même me voir. Ah ben, dis donc, bravo, hein. Bon, on va se partager l'océan, toi et moi, hein. Ok. Bon, les crabes me permettent de partager l'océan avec eux. Allez, cette fois-ci, il n'y a plus rien qui pourra m'arrêter. J'ai trop envie d'aller dans l'eau. Ah, mais quel moment magnifique. Ah ouais, ça, c'est le moment que j'attendais très fort. Le bonheur existe. Ciao, ciao à toi. Je ne sais pas si je vais réussir à sortir, tellement je suis bien. Ciao, ciao.